Salut, pour cette vidéo, je suis sacrément content. Pourquoi, vous me direz-vous? Pas parce que c'est un unboxing test, bien que c'est pas un test parce que le test viendra dans une autre vidéo, mais parce que ce produit, je l'ai reçu une nouvelle fois de Gearbeast. Voilà, je suis super content. Oh, yes. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une montre connectée, c'est la Amazfit GTR, en version Titan en plus. Et là, vous me direz, quoi, mais l'arnaque? C'est déjà unboxé. Mais normal, je fais l'intro après avoir tourné l'unboxing. La montre est juste ici, voilà. Elle est là. Et franchement, elle est sacrément classe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez séparer les vidéos unboxing et test. Je mettrai un petit sondage en haut dans je sais plus quel coin encore. Parce que je me dis peut-être que certains n'aimeraient voir que les unboxings et que d'autres n'aimeraient voir que les tests. En tout cas, je me suis rendu compte au montage que pour l'outro, j'ai oublié de vous dire, bah abonnez-vous si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Il y a le serveur Discord pour venir discuter avec nous. Oh, et puis si vous voulez aussi soutenir la chaîne, et ben c'est tout simple, allez sur le lien Utip qu'il y a dans la description et venez regarder des pubs pour nous donner quelques centimes, ça fait toujours plaisir. C'est que j'ai l'air un peu serré moi avec ce polo là. Et si vous voulez tout simplement que je reçoive d'autres produits de chez Gearbeast, et ben achetez cette montre si elle vous intéresse seulement via le lien d'affiliation Gearbeast pour cette montre. Je mettrai les trois versions, il y a la titane, il y a la aluminium et là, je ne sais plus quoi. Allez, sur ce, on passe sur l'unboxing, la prise en main et le démarrage de cette montre. Il faut que j'arrête de taper sur cette boîte. À tout de suite. Pourquoi je fais ça comme ça là, mais je... Et c'est parti pour le déballage de cette montre. Donc voici un peu le packaging. Donc ça, c'est la face avant. Qu'est-ce qu'on a? On a un écran AMOLED. On a un cardio-fréquence mètre qui peut mesurer en continu votre fréquence cardiaque. Elle peut aller sous l'eau jusqu'à 50 mètres. Une batterie longue durée. Elle peut recevoir les notifications de votre téléphone. Et enfin, elle a un mode multisport pour bah, le sport. Elle a un GPS GLONASS. On a un petit visu ici. Sur le côté, rien du tout. De l'autre côté, rien du tout. Et derrière, on a du coup l'Amazfit GTR. On a le modèle compatible avec Android 5.0 ou iOS 10.0 et plus, évidemment. Le Bluetooth, etc. La norme européenne, bref, on va continuer le déballage. On va venir tirer ici, on va déballer. Ouh, très sympathique. Et on tombe sur la boîte toute blanche Amazfit. Rien sur les autres côtés, c'est franchement une très belle boîte. Ouh, oh là 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 là, c'est super sympa. Waouh. Ah, voilà. Donc la montre est ici, on va la mettre de côté. On va venir soulever ici. Et je pense qu'en dessous, donc on tire là, voilà. Et là, on aura le chargeur qui se trouve juste ici avec deux pins. Et évidemment, on va venir enlever l'élastique ici pour déballer le câble qui est assez long, ma foi. Une bonne longueur, donc ça, ça peut, c'est pas que ça peut être pratique, c'est que c'est pratique. Et juste ici, on aura une notice, mais personnellement, moi, je vais la remettre là. Allez, on va venir tout simplement enlever ceci. On va le remettre là, voilà, hop, tac, et du coup on va passer sur la montre. Donc c'est la version Titan, comme je vous l'ai dit, et elle est super sympa. Oh, le revêtement, c'est, je sais pas comment décrire, mais on dirait que c'est rugueux, mais pas vraiment, ça accroche, franchement c'est assez déroutant. Après, est-ce que c'est parce qu'elle est neuve? Je ne sais pas. Donc, on a l'écran ici de 1,4 pouces. Donc, c'est 1,39 pour être précis. Avec un cadre ici qui a l'air d'être en vert. Et on a une sorte de chronographe. On a deux boutons ici. Et enfin, on a le bracelet en caoutchouc qui a l'air d'être plutôt agréable. On va venir enlever ce petit truc. Voilà. Pour pouvoir voir le capteur cardio qui se trouve juste ici, avec les mentions qui sont là, hein, designed by UAMI, je sais pas, Amazfit, water résistante, 5 ATM, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple, c'est on va allumer cette montre. Alors, est-ce que si on reste appuyé ici, yes, ça s'allume. En attendant, je vais télécharger le logiciel, mais non, l'application Amazfit pour pouvoir configurer la montre. On a le logiciel, non Google, je ne t'ai pas appelé. Ici, donc Amazfit, il faut se créer un compte ou se connecter si vous en avez déjà un. Donc, autoriser l'appli Amazfit à accéder aux photos, au contenu multimédia et aux fichiers de l'appareil. Je pense que c'est pour récupérer les données de la montre, donc je vais faire autoriser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, bien entendu, une montre. Une Amazfit GTR. Donc, on peut voir que la Stratos 3
va arriver. Ça, je peux vous dire, si je peux avoir la montre pour la tester, franchement, je la testerai. Pourquoi ? Parce que cette montre-là n'a pas les algos First Beat. Donc ça, c'est quand même sacrément dommage. Mais après, certains algorithmes ne marchent pas avec mon sport. Je vous expliquerai plus en détail en fin de vidéo et surtout dans la prochaine vidéo qui va sortir. Donc Amazfit GTR. Donc on va activer le Bluetooth, autoriser, activer. Et là, on va tout simplement se... Tac, voilà, c'est très rapide. Association de la montre. Impossible de trouver la montre. Assurez-vous que la batterie est chargée. Maintenez la montre près de... Ah, alors ça a échoué. On va réessayer. Voilà, GTR. C'est parti. On relance. Association. Association. Ah, là, ça, ok. Ça a marché direct. Bon, peut-être qu'il avait mal flashé le QR code. Donc, on va accepter, évidemment, l'association. Tac, ça continue. Et voilà, on est sur, tout simplement, la montre. Hein. Hop, on peut maintenant l'utiliser. Donc, il me dit restauration des paramètres de la montre. Alors, je vois pas lesquels parce que il n'y en a pas. Mais, mise à jour du firmware. Cool, il y a déjà une mise à jour. Enfin, il y a eu des mises à jour, de fait. Et donc, on va la laisser, tout simplement, faire la mise à jour, hein. Et dès que c'est fait, on se retrouve sur la montre. Ça y est, nous sommes sur la montre, enfin. Donc, qu'est-ce que PAI? J'en sais rien du tout. Personal Activity Intelligence est un indicateur révolutionnaire pour les individus lors de leurs exercices. Ok, on verra ça après. Donc, on est sur la montre, là. Franchement, l'écran est super sympa. C'est vraiment très joli. Le tactile, alors, pas mal réactif. Mais ça, en fait, ça lag un peu lorsqu'on passe d'un écran à un autre. Je sais pas si vous allez le voir, mais si, je regarde le retour, mais si, ça se voit quand même. Alors, on va aller tout simplement dans les paramètres et on va voir ce qu'on a. Donc, on a du coup l'état. Hop là. On a l'état qui est juste ici. Est-ce que. Alors, est-ce qu'il a du mal ou. Pourquoi je peux pas. Voilà. Alors, peut-être que je cliquais à côté. Donc, l'état, c'est quoi? C'est le nombre de pas. On a le nombre de mètres, alors ça, ça a l'air d'être les étages qu'on a fait, le nombre de calories brûlées, le nombre de fois qu'on est assis. Ok, est-ce qu'on a d'autres choses? J'ai pas l'impression. Donc PAI, c'est quoi le PAI? Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, basse, moyenne, haute. Franchement, je n'ai aucune idée, il faudra voir ça. On a la fréquence cardiaque, donc évidemment, il faut que l'on mette sa montre au poignet pour qu'il puisse la mesurer. En tout cas, l'animation est super sympathique. Alors, c'est tellement pas naturel dans lequel je me suis mis. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la montre. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne au niveau du poignet, hein, au niveau de la taille. Donc, c'est à 47 mm. On va retester la fréquence cardiaque. Hop, c'est parti. Est-ce qu'il va réussir à me la trouver? Voilà, il l'a trouvée. Je pense qu'il est encore en train de la calculer. Il me dit 67. Je vais vérifier vite fait. Je pense que je suis un peu en dessous. On peut retrouver le widget juste ici en faisant les slides là. Donc juste sur la gauche. Il a l'air de mettre un peu de temps à mesurer quand même. Donc c'est à voir. Voilà, on va pouvoir l'enlever. Ça va être beaucoup plus pratique. Alors, on a du coup le mode sport. On a la course à l'extérieur, la marche, le vélo à l'extérieur, course en salle, cyclisme en salle, natation en eau libre, natation piscine, et puis elliptique, pardon, alpinisme, course à pied, ski... Freestyle. Donc on a le pourcentage de batterie restant et le nombre d'heures que l'on peut utiliser encore la montre. Donc si on fait course à l'extérieur, tout simplement ça va lancer la captation GPS. On pourra seulement lancer l'activité lorsque le GPS aura été trouvé. En cliquant ici, on peut définir des objectifs, un rappel du sport, activer ou non la pause automatique et mettre le diagramme TR. Donc avec soit la fréquence cardiaque, soit le rythme de la course. Moi, la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais mettre OK. Et pour retour en arrière, c'est simple. On fait un glissement de la gauche vers la droite. Donc, on a la liste des activités que l'on a faites. Donc, évidemment, comme je n'ai pas fait d'activité encore, je n'ai strictement rien. On a la météo juste ici. Donc, on voit Bouguenais, nuageux, 13 degrés. Voilà. On a du coup le temps qui s'affiche ici. La météo future, donc on a jusqu'à une semaine. Donc de prévision, c'est plutôt pas mal. On a la musique que l'on peut contrôler.
Alors attention, on peut pas avoir Deezer ni Spotify, hein, c'est la musique qui se trouve sur le téléphone. On a les annonces ici, donc en fait, les annonces, c'est les notifications tout simplement du téléphone. On peut mettre une alarme, donc celle que l'on veut évidemment. On peut faire des rappels d'événements. On a plus ici avec la boussole, le chronomètre, un compte à rebours, chercher portable. Donc voilà, ça fait sonner le téléphone. C'est sacrément fort en plus. On a une boussole. Alors, calibrée en marchant en forme 8S. Alors, on va essayer de faire comme ça plutôt. Je sais pas si ça a marché. Non, ça, j'ai pas réussi. Donc, on peut avoir du coup la boussole lorsque j'aurai réussi à la calibrer. On a la pression et l'altitude. Donc là, pour le coup, il faut le GPS. Mais il arrive quand même à me donner une pression et une altitude quand même. Donc peut-être pas besoin du GPS pour ça. Bon, la boussole, il n'arrive toujours pas à le faire. Donc le chronomètre, évidemment, c'est un chronomètre. Je vais voir, est-ce qu'on peut faire par exemple des tours? Ouais, on peut faire des tours. Ça, c'est pas mal. Par contre, c'est assez loin le chronomètre pour pouvoir l'avoir. Donc ça, c'est dommage. Et enfin, évidemment, les paramètres où on a les différents cadrans que l'on a ici. On peut en rajouter via l'appli, on arrivera après. Durée de l'écran lumineux. Alors moi, je vais mettre plus longtemps parce que c'est sacrément chiant. Moi, je vais mettre 15 secondes. Évidemment, ça va diminuer un peu plus la batterie. Mais bon, c'est pas trop grave. Moi, je m'en fous un peu. On a le démarrage rapide. Si je comprends bien, en fait, on peut appuyer ici et lancer tout simplement l'application que l'on a décidée. Donc ça, c'est à vous de choisir. C'est plutôt pas mal si vous voulez lancer, par exemple, directement le sport ou le chronomètre, peu importe. On a la possibilité d'afficher toujours donc soit le cadran numérique. Donc évidemment, ça va perturber l'endurance de la montre. Donc là, ici, c'est le bouton pour retourner à l'écran principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la montre s'éteindre et voir du coup ce qu'elle affiche. Donc voilà, là, on a l'écran avec le jour, la date. On a 14 pas et 39,11, ça doit être l'heure, je suppose, quoique non. Donc affiché toujours. On va faire le cadran à aiguille et on va voir ce qu'il affiche. On va laisser la montre s'éteindre. Donc là, on a le cadran à l'aiguille avec, du coup, la date. Donc le 11-27, donc c'est 11 novembre. Le nombre de pas. On a l'aiguille ici. Ah, je me demande si c'était pas le nombre de pas. Je vois 11 ici. Ok, on revient. Donc là, si j'appuie là, ça lance directement l'état dans lequel on se trouve. Donc, dans lequel on se trouve. Non, l'état de notre activité plutôt dans la journée. Hein. 11 pas, 7... mettre, alors j'ai pas le temps de voir, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de tout. En haut, on a du coup soit le flash que l'on peut activer si jamais on veut faire une sorte de lampe. Alors pour retourner, on est obligé d'appuyer là, tac. On peut soit mettre la luminosité en automatique, soit choisir la luminosité qu'on veut. Alors tac, on enlève là et puis on ajuste comme on veut. Moi, je vais laisser en automatique. On revient en arrière. Là, on a le mode ne pas déranger. Donc, soit on l'active, soit on met des heures à laquelle on ne veut pas être dérangé. Il y a un mode intellectuel, donc je pense que c'est un mode automatique. On va revenir là. On a l'économie d'énergie. Et enfin, pour verrouiller la montre. Et pour déverrouiller, il faut appuyer sur le bouton. Alors, pour ajouter des cadrans, c'est tout simple. On va passer par l'appli. On va revenir ici. Et on va aller chercher la montre. Alors, entraînement, non. Profil, non. Alors, où est-ce que c'est? Ah tiens, je vais juste faire un test. Hop, on relève. Ouais, ça met quand même une ou deux secondes pour s'allumer. Ça aurait été bien que ce soit un peu plus rapide. Alors, profil. À ma suite, GTR. Paramètres du cadran de la montre. Donc voilà, on a tous les cadrans. Ici, on peut en télécharger d'autres. Je vous mettrai un lien dans la description qui mène vers un YouTuber qui a fait une vidéo là-dessus. On peut vraiment rajouter plein de cadrans. Déjà, là, il y a quoi de faire. On en choisit une qui nous plaît. Par exemple, celle-ci me plaît. Synchroniser le cadran avec la montre. Tac, ça va synchroniser. Et voilà, c'est fait. Nous avons le cadran qui est juste ici. Alors, est-ce qu'on a possibilité de modifier les champs à l'intérieur? Je ne sais pas. Je suis en train de cliquer, mais je ne vois pas grand-chose. Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, si je reste appuyé, non, ça ne voudra pas. Il faudra que j'aille dans les paramètres pour la changer directement d'ici, cadran. Et on a, du coup, les cadrans qu'on a
voulu prendre. Est-ce que si je reste appuyé, je descends en haut? Bah non, ça n'a pas l'air. Par exemple, je vais prendre ce cadran là qui est un peu plus, on va dire, sportif. Si je reste appuyé dessus, ok, là ça marche. Et mais je ne peux pas, par exemple, si je reste appuyé, modifier par exemple les données que je voudrais afficher. Est-ce qu'on peut le faire par exemple sur le téléphone? Dévoiler appel entrant, rappel, alarme, notification, plus SMS entrant désactivé, alerte d'inactivité, oui, notification de l'application désactivé, alarme de la montre désactivé, rappel d'événement, aucun rappel, appel entrant désactivé. Voilà, donc tout ce qu'on peut faire avec la montre. Bien entendu, on ne peut pas répondre aux SMS ni aux appels. Là, pour le coup, il faudra juste prendre le téléphone parce que la montre ne fait que afficher les notifs et du moins une partie des notifs, soit juste le titre ou alors un bout de contenu, et il vous fait vibrer la montre lorsque un appel entre, mais pareil, on ne pourra pas décrocher et non plus évidemment parler avec la montre. Voilà, on a fait le tour de la montre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où, lorsque j'aurai essayé la montre un peu plus longtemps, fait des activités notamment sportives, parce que c'est là que ça m'intéresse, et on se retrouvera là. Parce que moi, c'est une montre que je voudrais me servir pour le sport. Faut que je configure mes zones. Par contre, voir si les algorithmes First Beat qui sont absentes sur cette montre, est-ce qu'elles vont me manquer ou non? Est-ce que je vais en avoir besoin? Donc ça, je vais y répondre après. Sinon, il faudra se tourner vers une Stratos si les algo First Beat vous intéressent. Je vous remonte à peu près ce que ça donne. Le cadran, lorsqu'il est sur le poignet, tac, on va changer et on va mettre ça, voilà. Vous pouvez même aller mettre le cadran bleu. C'est plutôt une bonne taille pour mon poignet, je trouve. Et elle tient plutôt bien. J'ai assez serré là pour le coup, plus que tout à l'heure. Mais voilà. Allez, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.